Pour tirer de manière uniforme, c'est assez simple. Sur votre surjeteuse ou votre machine à coudre, fixez-vous un repère. Aujourd'hui, moi, mon repère est fait. Donc, j'ai plus besoin de me dire je tire de ce point-là à ce point-là. Mais admettons, je pourrais me dire je vais tirer du bord, vous voyez ici là, du petit bouton blanc, jusqu'au bord, ici, de la jonction en fait entre le plastique et la grille en métal de ma surjeteuse. Pour cela, je vais attraper mon élastique comme ceci. Donc ici j'ai mon majeur, ici j'ai mon pouce. Et en fait le bord de mon pouce, juste là, va se positionner au niveau de mon petit bouton blanc. Donc du premier repère que je me suis donné. Je vais attraper mon élastique, je vais bien vérifier que je suis bien placée. Je vais tirer et je vais tirer jusqu'à ce que le bord de mon doigt, donc le repère que je me suis donné, arrive bien à ma jonction. Vous voyez là par exemple je suis trop loin, donc j'ai trop tiré, je me replace. Une fois que c'est fait, j'appuie avec mes doigts, je tiens ma matière ici et mon élastique et je surjette. Une fois que mon doigt touche le pied presseur, et c'est pour ça que j'ai bien pris cette partie là de mon doigt, une fois qu'il touche le pied presseur, je lâche tout. Voilà, alors une fois que je suis revenue à mon élastique, donc là ma jonction est pile ici, elle arrive sur mon pied presseur. Je vais continuer à surjeter pour superposer mes deux élastiques sur environ 1 cm. Donc là je sais que mon élastique commence ici, donc 1 cm ça fait à peu près, vous voyez, là où il y a mon doigt. Donc je vais surveiller et je vais tirer encore légèrement jusqu'à ce que mon élastique soit arrivé là. Voilà, donc là je sais que mes élastiques sont chevauchés sur cette distance-là. Je vais repositionner mes élastiques, je vais faire voilà un ou deux points supplémentaires, histoire, parce que je trouvais que c'était un petit peu léger, et je vais cette fois-ci pivoter l'élastique que je suis en train de coudre sur le côté pour qu'il soit coupé par mon couteau. Je tiens bien mon tissu de l'autre côté parce qu'il ne faut surtout pas que je coupe mon surjet. Voilà, là j'ai coupé mon élastique, je m'en débarrasse. On ne va pas sortir tout de suite dessous la surjeteuse. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, j'ai encore cette distance-là, la distance où sont mes aiguilles et la distance où mon élastique vient tout juste d'être coupé par mon couteau, qui n'est pas surjeté. Donc là, j'aurai un élastique qui ne serait pas surjeté. Donc, je vais continuer à coudre. Je sais que mon élastique a été surjeté au niveau, là, de mon couteau. Admettons, je mets mon pouce, j'avance en même temps. Voilà, là, je sais, puisque mon doigt a dépassé mes aiguilles, que tout mon élastique a été surjeté. Se positionner au niveau du côté, donc ce que nous avions là où nous avions commencé quand nous avions posé l'élastique tout à l'heure. Rappelez-vous, nous l'avions posé sur l'endroit picot bien à l'extérieur vers la gauche lors de la pose. Cette fois-ci, je rabats mon élastique sur l'envers, donc je vais coudre dans mon surjet ou au bord de mon élastique si je l'ai fait d'abord au zigzag. Là, je fais bien attention, en fait, surtout à ne pas faire bourler comme ça lorsque vous allez coudre l'élastique. Il faut vraiment bien tirer. Pour ça, c'est très simple. Une nouvelle fois, c'est pas très très compliqué. C'est juste qu'il faut prendre le pli et puis, en fait, faire les choses au fur et à mesure. Je me remets au niveau de ma jonction avec le côté. Vous allez commencer avec un point d'arrêt. Il s'avère, justement aujourd'hui, que ma machine ne veut plus faire de point d'arrêt. Donc pour moi, ça va être différent. Je vais faire un tout petit point d'arrêt de boutonnière assez serré pour commencer. Et ensuite, je vais rebasculer sur mon zigzag normal. Donc, ce que je fais juste avant de coudre, je vérifie bien que je sois déjà bien placée, que mon zigzag se fait bien ici, au bord de mon élastique. Ensuite, cette main-là, ma main gauche, va en profiter pour tirer par là. Pour bien séparer, si vous voulez, l'élastique de mon tissu. Et de même, pour la même raison, je vais tirer mon élastique de l'autre côté vers la droite. Par contre, faites pas ça, tirez pas à fond parce que vous allez déformer le tissu. Et surtout,
lorsque vous posez le zigzag pour fixer votre élastique, ne tirez pas sur votre élastique. Et vous voyez, je ne me place pas ici. Une nouvelle fois, je reste très proche de mon pied presseur puisque, comme tout à l'heure, je vais avancer petit à petit. Voilà. Voilà, une fois que mon doigt touche, je me replace. J'avance, mon premier doigt touche, je le retire, mon deuxième doigt touche, je le retire.